Batoscopie. Batoscopie, Nicolas Venance. Batoscopie, une émission d'ActuNautique.com. Bonjour et bienvenue à vous sur ActuNautique.com, Nicolas Venance. Je suis toujours en direct du beau de Düsseldorf et je vous propose de partir à la découverte d'une des grandes nouveautés des familles hors bord chez Beneteau. C'est le tout nouveau Flyer 6 Space Deck. Le Flyer 6 Space Deck, c'est l'archétype du petit hors-bord familial à console centrale. Voilà, je vous propose de découvrir ce modèle avec Michael Guinet, chef et responsable marketing des gammes hors-bord chez Beneteau. Michael, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors derrière vous, Michael, un bateau qui est l'archétype du bateau familial, comme on les aime bien sur ActuNautique, un petit hors-bord console centrale, de quoi se faire plaisir en famille. Tout à fait, bah oui, c'est le Flyer 6 Space Deck, je vais dire le dernier né de la gamme Flyer, le Benjamin aussi. Donc il s'adresse vraiment voilà, à un programme familial pour qui souhaite découvrir la plaisance de manière facile avec, on va dire, un budget limité tout en ayant une unité voilà, très qualitative et avec de bonnes performances marines. En fait, la famille Flyer, c'est une famille qui est iconique hein, chez Beneteau. Vous en avez commencé le redéveloppement, le renouvellement avec le 8. Ensuite, il y a eu le 10, le gros 10, qui vient d'être d'ailleurs nommé bateau européen de l'année. Ensuite, il y a eu le 7 et puis maintenant, il y a les 6. Alors, le Space Deck, c'est quoi comme type de bateau? Alors, le Space Deck, donc, c'est une console centrale. L'intérêt de ces ponts, c'est de vraiment offrir quelque chose de très polyvalent avec une très grande surface de pont. On maximise la surface de pont, la facilité de circulation, tout en proposant voilà, des équipements qui permettent quelque part de faire toutes les activités du bain de soleil au mât de ski ou aux options un peu plus fishing. Avant de monter à bord, on va s'intéresser à la ligne. Alors, cette nouvelle génération de Flyer, elle aborde une magnifique ligne très, très sportive. Voilà, c'est vrai qu'on a donc dans cette deuxième évolution des nouveaux Flyer, on a une ligne qui reste très moderne, très sportive. Elle est malgré tout un peu plus consensuelle, moins arrêtée et de manière voilà, à donner un dynamisme, quelque chose de beaucoup plus fluide et quelque part une pureté aussi qu'on retrouve sur le 8, le 7 et qui a été également très bien interprétée sur le 6 par les designers Steel & Design. Alors on va monter à bord, mais avant de monter à bord, on va s'intéresser au moteur. Vous êtes partenaire de Suzuki. Ce bateau, il est proposé avec quel type de motorisation hors bord? Alors, on part de 90 chevaux pour avoir voilà, un usage assez économique. On va proposer le 115 chevaux qui est vraiment le cœur de l'utilisation avec des bonnes performances au-delà de 30 nœuds. Et on va également proposer un package en 140 chevaux pour là, pouvoir voilà, goûter à des jeux un peu plus sportifs et avoir une unité vraiment puissante. Alors, de part et d'autre du moteur hors bord, Deux belles plateformes de bain, ça c'est quelque chose qui est très demandé aujourd'hui. Hein. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on se rend compte que, en fait, quelle que soit la taille du bateau, le client recherche quand même un niveau d'équipement très fourni. Et on va retrouver au final sur ce Flyer 6 exactement la même offre que sur ses grands frères Flyer 7 et Flyer 8. On va s'avancer dans le cockpit pour en détailler. Le plan d'aménagement. Alors à l'arrière, une grande banquette, deux fauteuils très confortables qui peuvent se retourner. J'imagine la possibilité de mettre une table. Hein. Tout à fait, oui. Donc là, on est en version élégance. Donc, comme son nom l'indique, c'est de proposer quelque chose de très qualitatif. Donc on va avoir deux sièges bolster. On va avoir aussi cette grande banquette avec accoudoir. Donc on va pouvoir coulisser pour remonter les moteurs. Et cette version élégance est vraiment pensée pour le confort du plaisancier. On propose également la version standard. Alors la version standard, le but c'est peut-être d'être un peu plus fonctionnel. Donc on va plutôt opter pour un leaning post qui va limiter la place sur le bateau. Et on aura également une banquette réduite dans sa largeur de manière à maximiser la surface de pont. Et ça, les pêcheurs l'apprécieront beaucoup. Alors, il y a une chose hein, par rapport à son prédécesseur qui a changé et qui saute aux yeux hein, quand on monte à bord de ce bateau, c'est la largeur des passes avant et le travail que vous avez fait au niveau des pavois.
Oui, on est toujours dans notre concept d'optimisation de la surface de pont. On va même aller plus loin, c'est que là, on a réussi à réduire quelque peu la largeur du bateau à 2,26 m, notamment par exemple pour faciliter la circulation, la mise à l'eau, mais en gardant la même surface de pont. Par contre, on a agrandi la longueur de coque à 5,30 m, de manière à vraiment pouvoir offrir un confort supplémentaire. Alors avant d'aller découvrir le cockpit avant, qui est une partie particulièrement intéressante de ce bateau. Détail sur la console, là, vous reprenez le design qu'on a vu sur le reste de la gamme. C'est très réussi, c'est moderne. Une main courante sécurisante pour bien se tenir en navigation. Et puis des détails de finition qui font plaisir à voir. C'est ça, là c'est vraiment la nouveauté par rapport à son prédécesseur. On a vraiment changé tout le concept. On vient d'une console qui était assez basique. Et là, au contraire, on propose une console très ergonomique avec un vrai confort de pilotage, une vraie protection grâce au grand pare-brise. Et on va également avoir un accès à la cabine qui se fera de manière très facile grâce à la porte coulissante et toujours dans le souci de la qualité du bateau. Une grande cabine avec un bon volume de rangement qui permettra aussi d'accueillir des WC et tout le confort nécessaire pour une journée en mer. Alors maintenant, on va se glisser sur l'avant du bateau, dans le cockpit avant. Alors là, c'est peut-être la pièce maîtresse ici, parce qu'on a un grand salon en U. On a de quoi asseoir très confortablement 6 personnes avec la table. Là, c'est un espace privilégié sur ce bateau. Effectivement, il va pouvoir accueillir les 6 personnes à bord dans un très bon confort. Là encore, on a fait quelques innovations, on a intégré des dossiers de manière à augmenter le confort et toujours cette surface de pont qui est très très intéressante à souligner. Un petit détail qui n'en est pas un, ça c'est de l'architecture navale. On a une carène qui est très très, très accentué sous la ligne de flottaison, mais au-dessus ça s'évase fortement et ça permet justement d'asseoir confortablement 2 personnes au-dessus de l'étrave. Il y a quelques années, ça n'existait pas dans le Nautilus. C'est vraiment une tendance de fond. Alors maintenant, on va parler budget. Michael Guinet, est très beau ce bateau, il vaut combien ? On garde un budget très limité, notamment par rapport à la version précédente. On est aux mêmes alentours, compter 25 000 euros pour un package avec le 115 chevaux. Après, on y aménagera les options nécessaires, comme le grand bain de soleil si on veut faire un bain de soleil sur l'avant du bateau, le mat de ski si on veut faire des sports nautiques. Et ça permettra vraiment de finaliser son projet et de profiter pleinement des joies de la navigation. En conclusion, pourquoi est-ce qu'un plaisancier devrait choisir le Flyer 6 Space Deck, Michael Guinet ? Tout simplement que pour moi, c'est quelque part rendre le rêve d'un plaisancier accessible. Donc avec un budget pour découvrir la plaisance, on a un bateau avec une très grande surface de pont, un beau confort, une bonne qualité et des performances de navigation aussi qui raviront le plaisancier et qui lui donneront à coup sûr envie d'évoluer dans la plaisance. Merci beaucoup, Michael. Merci, Nicolas.